C'est avec une grande joie que je vous invite pour une fois à une chose qui est une bonne nouvelle, qui est la Journée internationale du bonheur, qui cette année exceptionnellement se déroulera évidemment en ligne. Et nous avons décidé à l'Institut des sciences du bonheur de l'ouvrir à tous et gratuitement. Parce qu'on pense que c'est notre petite pierre sur ce chemin terrible que nous traversons tous ensemble en ce moment, de vous offrir nos outils de psychologie positive, de neurosciences appliquées, de rigologie, afin de vous aider à faire face à la crise. Des outils simples, ludiques et joyeux. Cette journée sera incroyable. Elle va durer de 10h à 18h30 ce samedi 20 mars. Elle est gratuite sur inscription. Il faut vous inscrire par le site de l'École internationale du rire. C'est écrit en dessous, écoledereire.org. Vous envoyez un mail et vous recevrez non seulement l'accès à la salle Zoom, mais aussi une liste d'ingrédients du bonheur que vous pourrez cuisiner en compagnie du chef qui a une toque au Goemio, Grégory Doucet, qui dirige le In Fine. Et ce sera parrainé par Yves-Alexandre Talman, qui est quand même un des grands champions du bonheur à travers le monde, puisqu'il a écrit une cinquantaine d'ouvrages, dont la plupart sont des best-sellers traduits en 18 langues. Il y aura aussi Frédéric Causseron, qui co-anime avec lui chaque année les rencontres zygomatiques, organisées par le Centre d'application de psychologie positive. Il y aura David Ken, qui nous fera l'honneur de partager avec nous des photos qu'il a prises dans le cadre du LOL Project. Il nous racontera comment ça s'est passé. Nous chanterons des mantras avec Deva Prémal et Mitaine. Il y aura des jeux de Julien Péchaud. Nous avons une nouvelle invitée, Karine Even, qui nous parlera du coaching en joie de vivre. Et moi-même, je ferai la liaison tout au long de la journée. Et surtout, oui, on terminera de 17h à 18h30 par une super boon année 70s où on dansera. Venez maquiller et déguiser. On fait la fête toute la journée. Ce sont des petits modules courts. Vous pouvez arriver quand vous voulez, à condition que ce soit au début d'un module, bien entendu. Mais vous n'êtes pas obligé de participer à toute la journée. Vous pouvez vraiment venir vous faire du bien avec des gens généreux et exceptionnels qui nous font l'honneur de nous suivre depuis des années. Voilà, donc c'est la Journée internationale du bonheur, la 9e, puisque l'ONU a décrété que c'était une cause nationale en 2013. Voilà, vous êtes donc les bienvenus, on vous attend avec joie et impatience.